du pays. Amen. Eh, bon, comme mes sous, je ne sais pas si ça peut passer. Il est parlé en anglais. Bon, allons-y. On va faire comment? Voilà, après, anglais, ça, là, on va parler. Ça, on parle anglais un peu. Vas-y. Waalaikum salam. Ok. Il dit qu'il veut. Il a une question à poser. Voilà, il est vraiment confus. En tout cas, il ne veut pas me bloquer demain. Amen. Amen. Ça. You Muslim? Arrivez devant là, il y a un peu de kawa. Go, let's go. Vas-y. My name is Adin Joseph. Il s'appelle Joseph. Mm-hmm. So I want to know because sometimes I can listen all the history about the prophets in the Bible and the Quran. Mm-hmm. D'accord, entre les prophètes du Coran et de la Bible. Mm-hmm. Because I can listen that there is the history about Jesus Christ in the Bible, in the Quran. D'accord. Jésus dans le Coran. Ok, effectivement. But I never hear about the history about Prophet Muhammad alayhi salam in the Bible. Mm-hmm. So I want to know why. Voilà, il demande. Il a vu le nom de Jésus dans le Coran. Mais dans sa recherche, il n'a pas vu le nom du prophète Mohammed dans la Bible. Pourquoi? Non. Pourquoi ce n'est pas mentionné noir sur blanc le prophète Mohammed dans la Bible? Merci beaucoup. Mon traducteur est là. Allez, vas-y. Attends. Qui va le bien là? Qui va dire ça dans le même? Ah, il a oublié. En fait, on a oublié. Ah, maintenant, c'est le contraire. J'ai traduit en même temps quoi. Il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Non. Mais dans le Nouveau Testament, c'est dans John. John chapitre 2. Jean 16. Verset 7 à 14. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné. Hier même, il y a fait un débat sur ce sujet. Exactement. À Koumassi, le consolateur, parce qu'Allah est dans le Coran, surat 7, verset 157-158. Il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah et dans l'évangile, donc dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Non. Maintenant, si dans le Nouveau Testament, on veut voir le nom Mohammed écrit littéralement, donc on ne le verra pas. Non. Mais il y a des signes qui présentent Mohammed sur la salam, comme le pasteur disait hier, Jean 14, 16. Jésus dit, et moi, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Mais quand, d'abord, le premier consolateur est un être humain, le deuxième, un autre, ne peut pas être un ange. C'est clair. Le Jésus, c'est un consolateur, il est un être humain. Il dit, je vais prier le Père pour qu'il va donner un autre consolateur. L'autre consolateur qui va venir vous enseigner dans toute la vérité, c'est de lui, c'est lui qui est Mohammed sur la salam. Parce que Jésus a donné des caractéristiques pour nous développer pour dire qui il est. Exactement. Jean chapitre 5. C'est pas non. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, la condition est là. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Si c'est le Saint-Esprit, il ne viendra pas. La condition, c'est ça. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde. On dit, il va convaincre le monde. Comment le Saint-Esprit peut nous convaincre ici, là, Thomas? Dans quoi? Demande à un chrétien, c'est quoi le péché? Et d'ailleurs même, ils sont en train de pécher en donnant un enfant à Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais dit ça. Le Saint-Esprit, dont nous parlons, il a dit au pasteur hier, il y a plusieurs Saint-Esprits, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas la même fonction. Vas-y frère. La justice. Et le jugement. Et le jugement également. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pourquoi il ne le dit pas en même temps? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Vous n'avez pas la capacité de le comprendre. Vous ne pouvez pas. Mais quand le son consolateur sera venu, quand le consolateur lui viendra là,
l'esprit de vérité. Il n'a pas dit ici dans l'Esprit Saint. Mais comme il s'accapare de l'Esprit Saint, allons-y. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité, ce qui est bien et mal. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous tirer des ténèbres vers la lumière et il nous a ordonné le bien, nous interdit le mal. Il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Ouais. Suivez-moi dans ce que je vais vous ordonner et interdit de la part d'Allah, sans seulement Allah vous pardonne le péché. Vas-y frère. Car il ne parlera pas de lui-même. 53 verset 1 à 3, Mohammed ne prononce rien sur le fait de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Pas du prêt. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il va dire tout ce qu'il aura entendu. Il dit ma mort, ma salat, mes actes de dévotion n'appartiennent qu'à Allah, le Seigneur de l'univers. Vas-y frère. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va vous annoncer des choses qui vont venir vers la fin des temps. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit vers la fin des temps. Vas-y. Vous allez voir les femmes habillées, mais elles sont pourtant nues. Ah, on va s'arrêter. Tu vas voir les femmes habillées, mais elles sont pourtant nues. Il a donné des caractéristiques, il a donné beaucoup d'enseignements. Jésus ne peut pas nous enseigner ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran, 47:15, il dit, voici la description du paradis. Demande à Jésus une description du paradis, il ne peut pas. Il dit, je ne peux pas vous le dire maintenant, quand lui là, il viendra, c'est lui qui va vous enseigner dans toute la vérité. Vas-y frère. Voilà, donc il me glorifiera. Alhamdulillah. Donc, mon frère, comment tu comprends un peu au moins ce qu'on veut dire? Je vais dire que... I have so very understand that one. Okay. So, I have a little question later. I'm going to speak question. I want to know that. It's spirit. Il a lié, hein. Ok, allons-y. It's spirit Jesus Christ talking about. Oui. So you can say that is Alessa Tosola? Yeah. Parce que, en fait, ce que tu dois comprendre, le mot esprit, quand Jésus dit le Saint-Esprit ou bien le Consolateur, il faut comprendre qu'un prophète selon la Bible est un esprit. Bien sûr, 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, 1. Alors, on va lire. Lisez-moi 1 Jean 4. Prenez la Bible blanche là. C'est bien explicité là. Non, celle-là. Deuxième mot, Jésus. Voilà. 1 Jean 4, verset 1. Tu vas comprendre que quand le mot esprit est utilisé, ça peut faire référence aussi à un prophète. Car les prophètes sont des esprits. Vas-y. 1 Jean 4. Oh, on vous a dit quelque chose dans le. On a déjà frotté. 1 Jean 4, verset 1. 1. Verset 1. Bien-aimé. Écoute bien le verset. Le verset dit, bien-aimé. Ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à tout esprit. T'as vu spirit. Vas-y. Mais. Mettez les esprits à l'épreuve. C'est-à-dire, éprouvez les spirits. Mettez les esprits à l'épreuve. Un esprit, comment on peut le mettre à l'épreuve? On ne le voit pas. Comment on peut le mettre à l'épreuve? Faut voir comment le verset va continuer. Vas-y. Pour savoir s'ils sont de Dieu. On dit les esprits là. Pour savoir si tel esprit est de Dieu, il faut le mettre à l'épreuve. Comment on va mettre à l'épreuve un esprit? La suite. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. T'as vu? Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. On parle d'esprit et on parle de prophètes. Donc un prophète est un esprit. Mais tout esprit n'est pas prophète. Mais ici, dans le cas spécifique, c'est un prophète. Alors, au cas de Jésus, Jésus dit quoi? Il vous glorifie, il vous annoncera les choses à venir. C'est quelqu'un qui va vous annoncer. Le Saint-Esprit, il va annoncer. Il va parler. Le Consolateur, il va parler. Il ne sera pas muet, il ne sera pas sculpteur. Il va parler. Il va vous enseigner les choses. Donc, c'est quelqu'un qui sera parmi vous, qui va parler, vous allez entendre. Il va enseigner, vous allez comprendre. Parce que pour enseigner, il faut que les gens soient là. Il faut qu'on comprenne ton enseignement. Il faut qu'il y ait un enseignement pour nous enseigner. Donc si le consolateur va enseigner, il va nous annoncer et il va faire des choses, c'est qu'il s'en fera quelqu'un de palpable, de physique, qu'on pourra voir. Mais le problème pour eux, c'est que le prophète, comme on a dit le mot esprit, la chose doit être esprit forcément. Non. Et il faut savoir une chose. Un prophète, là, c'est un esprit. Pourquoi? Parce que même quand le prophète il meurt, ce qu'il est venu dire là, demain et demain. Parce que regarde, Dieu dit dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas un Dieu des morts. Ok, ils sont morts. Ah. Tu vois, non? Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas un Dieu des morts. Mais attends, ils sont morts. Mais pourquoi il les cite? Parce qu'un prophète, il ne meurt pas. C'est un esprit. Tu comprends, non? Donc quand Jésus dit, un esprit m'a venu là, faut pas attendre le vent. C'est un homme qui a venu vous parler de la part de Dieu. Parce que l'esprit qu'il reçoit est un esprit divin. Vas-y, voilà un peu pour répondre à la question. Ok, it's a question.
I want to know if the God have a religion. Times, hein? Voilà, il a I want to know if God have a religion. En fait, Dieu a donné sa religion aux hommes. Si on veut dire que Dieu a une religion, c'est pas que Dieu pratique une religion, non. Mais Dieu inculque aux hommes un moyen par lequel ils vont passer pour pouvoir se rapprocher de lui. Donc il va léguer une religion pour les hommes. Voilà pourquoi Allah dit, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il n'a pas dit la religion d'Allah, c'est l'islam, non. Dieu donne une religion aux hommes pour pouvoir passer par cette religion-là, pour pouvoir lui l'atteindre. Mais Dieu n'est pas pratiquant d'une religion. Dieu n'a pas, il pratique pas une religion. Mais il donne une religion, il donne un moyen, il donne un système par lequel les hommes passent pour pouvoir l'atteindre. So, all of you know that God not have a religion. Non, il n'a pas de religion. Okay. Dieu n'a pas de religion. So, you believe that the Christ can exist by the way of the God, and the word of God can exist forever and ever? Ok, bon là, là, j'ai perdu. Non, il demande si Jésus existe, c'est pas ça? L'existence de Jésus Christ. I'm thinking about you people know that God not have a religion. Oui. Si nous disons que Dieu n'a pas de religion. Je traduis pour vous, allez-y. Il nous fatiguer. Il y a une traduction. Attention. Let's go. Ah, anglais, des choses que tu parles au bureau là-dedans. Anglais. All of you know that. Oui. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Dieu n'a pas de religion. C'est ça. But all of you know that the word of God can exist from the beginning till to the end. Yes or no? Et dit, vous savez très bien que le monde existe et il y a plusieurs religions dans le monde. Oui, en fait, exactement. Exactement, il y a plusieurs religions dans le monde. Exactement, il y a plusieurs religions dans le monde. Mais il y a une seule religion que Dieu a donnée aux hommes. Excuse me. Yeah. What I'm trying to say, ask a question. If God has a religion, they did not. He said no. Yes. So all of you know that God don't have a religion, but the word of God can exist from the beginning till to the end. Not so? What is beginning? The beginning is our. Let's go. C'est l'islam, frère. La religion de Dieu que Dieu a donnée depuis le commencement. I'm talking about Muslim and Christian. You can speak French, but that's what I'm here. Pourquoi le temps arrivé là? Jeudi prochain, tu peux venir. Là, il a porté mon costume d'anglais. Il n'y a qu'un mec même pour venir mettre ça. On vous a dit que c'est ce que je fais. Merci de regarder cette vidéo.